Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Storia Voce est une radio associative et c'est grâce à vous que nous existons. Si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur storiavoce.com. Vous pouvez faire un don et recevoir en échange un livre de votre choix ou bien sachez aussi que Storia Voce est reconnu d'utilité publique. Vos dons sont donc défiscalisables. Si vous donnez par exemple 100 euros, votre don ne coûte que 33 euros et vous déduisez 66 euros de vos impôts. N'hésitez pas à nous contacter. Connu comme le penseur réactionnaire qu'on sépare d'ailleurs rarement de son contemporain Joseph de Maistre, on voit souvent Louis de Bonald comme un intellectuel rétrograde et moralisateur. Né en 1754 et mort en 1840, Louis de Bonald a expérimenté les premiers moments de la nouvelle ère ouverte par la Révolution française. Mais était-il vraiment ce nostalgique d'une société idéalisée qu'il aurait voulu restaurer ? Sa philosophie s'appuie-t-elle véritablement sur les observations de la société de son temps ? Comment ce moraliste conjugue-t-il ses idéaux philosophiques et sa carrière politique ? Je reçois aujourd'hui un historien qui vient de signer une biographie de Louis de Bonald. Bonjour, Flavien Bertrand de Balanda. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes chercheur à l'École pratique des hautes études au laboratoire Saprat. Vous êtes également chercheur au Centre d'histoire du 19e siècle. Le livre que vous venez de publier aux éditions du CNRS est en fait le fruit de votre thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2016 et qui a reçu le prix de thèse de la maison Auguste Comte. Cette biographie de Louis de Bonald, elle va à la fois explorer la pensée du philosophe et du penseur, mais également sa vie d'homme politique, peut-être qu'on oublie un peu plus. Une première question sur les origines de Louis de Bonald. Il est né donc en 1754. Qui sont ses parents ? Alors, le père de Louis de Bonald est un militaire de carrière, comme son oncle. Louis de Bonald est issu d'une vieille lignée où la robe et l'épée alternent, comme dans de nombreuses familles de la noblesse française traditionnelle. Et il perd son père très jeune, à l'âge de 4 ans. Il est donc orphelin de père très tôt, d'autant qu'il est enfant unique. Il est donc élevé par sa mère, une femme très pieuse qui confie sa première éducation au curé du village avant qu'il ne rejoigne un collège parisien, puis le fameux collège des oratoriens à Juilly. Alors, quelle est la formation de Louis de Bonald et quelle est sa formation philosophique ? Alors, lorsque Louis de Bonald entre chez les oratoriens, il bénéficie de la formation qui leur est propre, qui est donc assez ouverte, notamment à l'atmosphère intellectuelle du moment, qui est celle des Lumières. Et il se lie d'amitié avec un de ses professeurs, le père Mandart, qui avait été un ami intime de Rousseau. Donc, une des premières rencontres intellectuelles que fait Louis de Bonald, c'est celle de Rousseau, son adversaire et en quelque sorte jumeau inversé. Bon, évidemment, il y a tout l'héritage de Malebranche ou d'autres penseurs plus traditionnels qui irriguent cette première formation intellectuelle. Est-ce qu'il lit Rousseau ? Il le lit, il l'apprécie. Ou il le déteste, souvent les deux à la fois. Par exemple, l'Émile, pour lui, est un traité d'anti-éducation. Par contre, le contrat social, il entretient avec cet ouvrage une relation assez paradoxale. Paradoxe d'ailleurs que Rousseau reconnaît lui-même dans sa propre œuvre, à savoir l'idée d'une somme de questions tout à fait pertinentes, de réponses qui le sont parfois aussi, mais de conclusions, selon lui, erronées et en partie funestes dans leurs effets historiques ou leur interprétation. Alors, on connaît Louis de Bonald comme homme politique du milieu du 19e siècle, mais en fait, il la commence assez jeune. Il devient maire en 1785. Comment on devient maire à cette époque-là et
Quelle va être sa politique municipale ? Alors, Bonald devient puis redevient maire par les deux voies qui sont offertes lors de l'ancien régime finissant puis de la jeune Révolution française, puisqu'il est le dernier maire nommé par le roi, en l'occurrence par l'intendant du roi, et le premier ensuite élu par le peuple. Alors, Louis de Bonald est quelqu'un qui rêve de rester en retrait de toute vie publique et qui n'a pas du tout l'intention de gérer autre chose que son domaine. D'ailleurs, on l'appelle, en le rappelant un petit peu à l'ordre, à cette charge, que l'on pourrait penser qu'il va exécuter de façon quelque peu bâclée ou dépassionnée, et au contraire, une fois qu'il siège à son poste de maire, il va déployer toute une politique municipale que la ville de Millau a gardée en mémoire, en faveur par exemple de l'éducation, qui va rester un de ses grands combats en tant qu'homme politique sous la Restauration, mais également en s'assurant que cette province, je rappelle, qui est très pauvre, le Rouergue à l'époque, qu'au sein de cette province très, très pauvre, Millau et les villages avoisinants puissent être à l'abri de la crise économique qui bientôt va toucher le pays et notamment certains départements. Et alors, il s'intéresse très vite à la politique scolaire, notamment en tant que maire de Millau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il rouvre des écoles qui étaient pour certaines fermées, et que déjà il soutient les frères des écoles chrétiennes, donc les écoles, on va dire, traditionnel du modèle de Jean-Baptiste de La Salle. Et là encore s'ouvre une question qui va être réouverte en tant qu'homme politique, en tant que député, avec tous les débats sur les nouvelles méthodes scolaires qui vont s'ouvrir sous la Restauration. Mais en même temps, il y a toute une réflexion sur la question éducative dans l'œuvre théorique de Bonald, et pas seulement dans son œuvre politique en amont ou en aval de la théorie du pouvoir, sur le rôle de l'éducation, et ça fait partie de ces zones de pensée où côtoie de façon très inattendue un traditionalisme très conservateur et une modernité absolument rafraîchissante et parfois touchant presque au domaine de l'utopie. Et alors, on dit souvent de Louis de Bonald que c'est un réactionnaire, quelqu'un d'assez fermé dans ses idées. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans une anecdote que vous racontez, c'est ses relations avec les protestants. Il leur ouvre un cimetière à la veille de la Révolution française, alors que la religion officielle est la religion catholique. Comment est-ce que vous interprétez cette action ? Alors, c'est un trait fondamental, je pense, pour comprendre le personnage Bonald. Il y a les principes et il y a les personnes. Comment, par exemple, peut-il réfuter de A à Z, puisque c'est vraiment point par point, les réflexions posthumes de la Révolution, sur la Révolution française de Madame de Staël, tout en disant dans sa correspondance privée qu'il souhaite ménager le personnage qu'il a lui-même connu et qu'il trouve fort sympathique. Eh bien, Bonald est un homme de principe, donc il défend ardemment une certaine vision des choses, et le protestantisme pour lui, enfin la réforme, a à ses yeux un rôle schismatique qu'il considère comme ayant été en grande partie responsable de la Révolution française, mais ce n'est pas pour autant que les protestants doivent être inquiétés ou considérés comme des citoyens de second ordre, d'autant que dans la famille Bonald, lors des guerres de religion, il y a eu deux Bonald qui ont un temps épousé la réforme. Et un article très intéressant intitulé « De l'unité religieuse en Europe », publié sous l'Empire, explique que de toute façon, selon lui, c'est vers une réconciliation des diverses branches du christianisme que l'on s'achemine, et c'est celle qu'il appelle de ses voeux, ce qui explique également peut-être cette différence entre une certaine intransigeance par rapport au protestantisme en soi et une certaine indulgence vis-à-vis des personnes concernées. Il est maire, puis il devient président de l'Assemblée départementale. Puis alors, je rappelle qu'on est vraiment à la veille de la Révolution française. Comment est-ce qu'il accueille les premiers instants révolutionnaires ?
Alors, avec une certaine forme d'enthousiasme, d'après tous les témoignages que l'on a et surtout qu'il a laissé, puisqu'il prend l'initiative d'écrire des adresses de félicitations. Bon, c'est censé être collégial, mais c'est en fait lui qui est au cœur de ce dispositif. À Necker, avec qui il continue d'ailleurs d'entretenir ensuite une relation épistolaire et amicale, au roi, à l'Assemblée, à la ville de Paris. Donc, il y a une forme d'effervescence, mais dont on peut sentir qu'elle commence à devenir prudente lorsque les événements deviennent quelque peu plus agités. Il serait peut-être partisan d'une révolution modérée et craint peut-être un emballement. Alors, s'il est enthousiaste à l'idée de la révolution, c'est-à-dire qu'il conteste certaines réalités de l'ancien régime et du gouvernement alors en place, et quelles sont ces contestations ? Il est difficile de savoir exactement ce que Bonald conteste concrètement. On a plutôt l'impression que c'est à l'épreuve des faits, et notamment de la révolution et de la post-révolution, que sa lecture de l'histoire dégage en quelque sorte, et c'est pour ça que on peut le considérer, ou on a pu le considérer de façon superficielle, comme un réécrivain ou un relecteur de l'ancienne France. C'est qu'en fait, au prisme de l'événement révolutionnaire, il va dégager peu à peu ce qu'il considère comme avoir été des grippages de l'ancien régime, des points de saturation peut-être, ou des points de blocage, pour n'en citer qu'un, l'ascension sociale, qui selon lui est au cœur du mouvement de constitution d'une société, et donc l'accès à la noblesse, c'est-à-dire à l'état public, s'étant raréfié à la fin de l'ancien régime, fait partie pour lui des causes pour lesquelles l'ancien régime s'est perdu lui-même. Alors, il finit évidemment par craindre même cette révolution française et par s'exiler. Alors, on est dans quel, comment cet exil se déroule-t-il, et pourquoi décide-t-il de quitter sa ville ? Alors, lui ne semble pas s'inquiéter outre mesure, c'est plutôt les siens, j'ai dit qu'il était fils unique, mais il a de la famille, des amis, qui sentent que quelque chose va peut-être bientôt le mettre en position de porte-à-faux. Et puis nous sommes quand même dans une région où les tensions confessionnelles qu'il a personnellement, comme certains de ses ancêtres, participé à apaiser, sont en train de ressurgir de façon peut-être plus difficile à maîtriser. Et il y a cette espèce de d'emballement, pour reprendre ce même terme, des événements qui, au vu de la position qu'il occupe, qui localement est quand même en fait plus qu'un édile, mais un responsable politique et un représentant de politique de premier rang, vont rendre son refus de faire prêter serment aux ecclésiastiques, hein, suite à la fameuse constitution civile du clergé, l'aspect d'une fronde potentielle le mettant éventuellement en danger. Donc il choisit de quitter la France avec ses deux fils aînés, en laissant sa femme, sa mère, ses deux filles cadettes et son fils cadet, le futur cardinal Maurice de Bonald, en France. Et il s'exile donc outre-Rhin. Et c'est outre-Rhin qu'il décide d'écrire une de ses œuvres les plus connues, La théorie du pouvoir politique. Alors pourquoi il décide de se mettre à la philosophie, et pourquoi il décide d'écrire une somme une somme de philosophie politique ? Alors, nous sommes en 1794 officiellement lorsqu'il commence sa théorie du pouvoir. D'après mes recherches, dès 1792, l'idée commence à germer et à prendre forme. Entre-temps, la révolution a pris une forme beaucoup plus radicale, comme on sait. Le roi se retrouve d'abord mis en retrait, puis tout simplement dépossédé de ses fonctions, puis de son titre. Et avant même la proclamation de la République, Bonald a compris que quelque chose en France venait de vraiment basculer et qu'il fallait prendre les armes. Alors il prend d'abord les armes au sens propre, puisqu'il combat dans l'armée des princes, dans la contre
contre-révolution armée, mais cette armée, comme vous le savez, n'a vite plus de raison d'être, de défaite en défaite, mis à part en rejoignant pour certaines personnes des régiments étrangers. Donc ce combat devient pour lui, qui, pour reprendre ses termes, s'étonne de devenir écrivain à l'âge de 40 ans, un combat philosophique, un combat écrit, et La théorie du pouvoir est donc à la fois un ouvrage polémique et programmatique. Quelle est la démarche méthodologique de La théorie ? Alors, la démarche peut sembler balbutiante si on se fie à ce que lui-même en dit, puisqu'il n'est pas content en fait de cet ouvrage. Il ne le réédite jamais de son vivant, préférant resynthétiser ses pensées. Mais la démarche intellectuelle part en fait d'un premier constat, donc celui de l'inanité de toute constitution humaine par rapport à la constitution que représentent les lois naturelles, donc il y a ce vœu selon lui insensé de changer la nature des choses. Après quoi, comme il le dit dans le sous-titre de l'ouvrage, s'appuyant sur la raison et sur l'histoire, donc à partir d'une grande fresque historique qu'il trace, il va s'atteler à démontrer en quoi la notion de constitution, qui a été tellement brandie par les révolutionnaires, puis par tous les pouvoirs, les régimes ultérieurs, en quoi la constitution n'est pas un texte écrit, n'est pas quelque chose qu'on décrète, mais relève d'une conception organique, comme on dit de quelqu'un qu'il est bien constitué. Et pour reprendre un exemple, une constitution, par exemple, n'est pas ce qui empêche une maladie d'advenir, mais qui va faire qu'un corps va réagir et se remettre plus promptement d'un mal. Donc la véritable démarche intellectuelle de Bonald, c'est de passer un petit peu en revue toutes les civilisations, puis toutes les étapes un petit peu de l'histoire de France, pour définir ce qu'est une société plus ou moins constitué, à partir de quoi il va évidemment prendre l'exemple de la monarchie traditionnelle catholique comme prototype du schéma de société constitué par excellence. Le bon gouvernement, c'est la monarchie. Le bon gouvernement, c'est la tripartition entre ce qu'il appelle le pouvoir, le ministre et le sujet. Cette tripartition, selon lui, est inévitable. On la retrouve dans toutes les formes de gouvernement, y compris les plus despotiques ou les plus anarchiques. Il s'agit cependant que cette tripartition entre, on va dire, la volonté, ce qui exécute cette volonté et ce qui est l'objet de sa volonté, qui reproduit le schème logique cause, moyen, effet, et qu'il reproduit à diverses échelles, notamment religieuses et familiales, est-ce que cette tripartition soit visible ? Par exemple, dans un état despotique, le pouvoir prend toute la place, escamote le ministre et le sujet en tant que tel. Tandis que dans la monarchie telle qu'il l'entend, et qui n'est pas forcément la monarchie passée, mais plutôt une monarchie peut-être à venir, le roi, la noblesse et le tiers-état formaient selon lui des catégories, alors c'est ça qui est intéressant, à la fois clairement distinctes, mais dynamique, puisque l'ascension sociale, c'est-à-dire l'accès du tiers-état à la noblesse via l'éducation dont nous avons parlé, est au cœur du paradigme sociologique bonaldien. Alors en quoi il va s'opposer aux penseurs des Lumières ? Alors, il s'oppose, si on le lit à la lettre, en tout aux Lumières, puisque il dresse une généalogie de la décadence, de ce qu'il considère comme étant une décadence française. Premier schisme, donc, même si on remonte avant la réforme, même les grandes découvertes peut-être déjà élargissent le monde à une vision mercantile et matérialiste. Surtout la réforme coupe l'homme selon lui, encore une fois, d'une transcendance qui lui était propre et le laisse dans ce qui pense être une forme de solitude face au créateur et face à l'interprétation du sens du monde.
Puis arrivent les Lumières qui sont l'aboutissement de ce déisme, selon lui, athéisme déguisé pour reprendre ses paroles. Et tout cela, d'une part, proclamant l'autonomie de l'individu, cessant d'être personne sociale, ainsi qu'il va tenter de le redéfinir, et d'autre part, émancipation du principe d'autorité. Et la Révolution française aurait été moins un événement malheureux qu'une conséquence, selon lui, inéluctable de ce processus qu'il rationalise une fois de plus. J'ai déjà parlé de la raison lors de votre question précédente. Je pense que ce rationalisme de Bonald est également un des éléments majeurs à prendre en compte dans sa pensée par rapport à d'autres contre-révolutionnaires contemporains ou ultérieurs. Et pourtant, on peut dire que c'est un enfant des Lumières. Oui, et il le reste, parce que il est facile de dire que Bonald était un enfant des Lumières, mais n'a retenu des Lumières que ce qui l'intéressait, puis est devenu un adversaire des Lumières et n'a fait que retourner Rousseau et Montesquieu contre lui. Ça, c'est une lecture schématique qui n'est pas entièrement fausse, mais qui est schématique. Quand on lit Bonald, et pas seulement sa théorie du pouvoir, mais ses écrits ultérieurs, voire tardifs, on sent que, par exemple, la forme systématique ou systémique qu'il emploie et qu'il revendique est une forme héritée des Lumières, et il le dit dès la préface de la théorie du pouvoir, qu'il s'oppose à Rousseau et à Montesquieu. À Rousseau, parce qu'il se contredit, à Montesquieu, parce qu'il a défendu un certain nombre de points cardinaux, notamment la théorie de la relativité des climats, etc., etc., auxquels il ne peut souscrire. Mais dès cette préface, il annonce que chaque fois qu'il sera d'accord avec ces deux penseurs, il se fera un honneur de le souligner. D'ailleurs, la première de couverture de la théorie du pouvoir, dans son édition originale, que je crois avoir reproduit dans le cahier iconographique, tient une formule de Rousseau sur l'invincible nature reprenant toujours ses droits, en épigraphe. Alors après cet exil, Bonald va rentrer timidement à Paris, et à Paris va continuer une activité d'écrivain, puisqu'il va écrire pour deux journaux célèbres de l'époque, de son camp, le Mercure de France et le Journal des Débats. Qu'est-ce qu'il écrit dans ces journaux et quels sont les thèmes qui lui tiennent à cœur ? Alors, Bonald est dans un premier temps rentré à Paris, profitant de l'éclaircie du directoire, pour se retrouver aussitôt contraint, suite à la répression que le camp royaliste connaît rapidement, à 2 ans de clandestinité. D'ailleurs, je me suis amusé à retrouver sa cache, sise à quelques rues de là où l'interview se déroule. Et dans cette première période de clandestinité, il poursuit quand même son œuvre théorique avec 3 ouvrages plus synthétiques, plus accessibles au public, publiés plus ou moins anonymement, mais qui le font connaître du monde des lettres. Donc, j'ai rajouté un petit prélude à votre question, parce qu'il faut quand même avoir cet amont en tête pour saisir notamment sa présence dans des milieux littéraires comme le salon de Pauline de Beaumont, qui l'insère dans toute une sociabilité intellectuelle, littéraire, à tendance catholique, à tendance un petit peu conservatrice et romantique parisienne. Et c'est avec ces hommes, Chateaubriand, La Harpe, Fievé, etc., qu'il va faire partie de cette nouvelle intelligentsia qui, sous le consulat et l'empire, écrit dans des feuilles comme le Mercure ou les Débats, avec une grande variété de thèmes, parmi lesquels on peut retenir notamment pas mal de théories littéraires et de critiques littéraires, puisque Bonald,
Bon, père de la sociologie, père de la contre-révolution, père du structuralisme, a également la paternité d'une théorie littéraire assez originale, celle de la littérature expression de la société. Et on trouve de nombreux articles sur le sens politique de la littérature. Mais il est extrêmement prolixe, puisqu'il se découvre également une passion pour la géopolitique. Donc c'est également l'occasion d'un tour d'Europe qui lui permet de mettre à l'épreuve des faits ses théories sur les États, les sociétés plus ou moins constituées, de commencer à envisager, alors que l'Europe va se redessiner, quel visage peut ou pourrait prendre l'Europe, et enfin de donner son appréciation sur la politique consulaire et impériale en la matière, voire rétrospectivement, et c'est un nouveau paradoxe chez lui, sur la politique de la Révolution et du Directoire, qui, en termes de politique extérieure, le satisfont tout à fait. Comme quoi, il faut vraiment concevoir Louis de Bonald comme un homme de son temps et pas seulement comme un penseur isolé, réactionnaire. Et c'est pour ça que c'est si intéressant que vous insistiez sur ces cercles de sociabilité dans Paris. Vous insistez sur sa relation avec Chateaubriand et avec Fontane dans l'ouvrage. Il va être entendu, lu par Napoléon Bonaparte et va être nommé au Conseil de l'Université. Qu'est-ce que cet événement dit de lui et est-ce que ça a un impact sur sa carrière politique ? Alors, avec le premier consul puis l'empereur, ça a été quelque chose que j'ai essayé d'un petit peu montrer dans la première partie de l'ouvrage. Il y a un petit jeu de chat et de souris avec de multiples tentatives de la part du pouvoir consulaire puis impérial de s'attacher Bonald, et de la part de Bonald, on a longtemps pensé qu'il y avait une forme de coquetterie, de réticence. Alors que certains documents que j'ai retrouvés montrent qu'il s'est très tôt, certes prudemment, intéressé à l'œuvre de régénération que Bonaparte se proposait. Louis a tout de même un patrimoine à gérer, rescapé de la Révolution, et dont il ne reste que quelques bribes. Oui, il lui reste un château. Le château du Monard, oui, racheté par sa femme, devenu bien vendu comme bien national, racheté par sa femme grâce à sa dot, mais ne représentant, alors c'est un petit peu c'est aujourd'hui encore la propriété de la famille, c'est la demeure affectivement la plus forte pour Bonald. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été sauvée, mais elle faisait partie d'un ensemble beaucoup plus important. Bonald observe tout en réfléchissant, tout en écrivant. Là, sa correspondance est très intéressante, et il se fait un petit peu désirer au Conseil de l'Université tout en multipliant des plans, des idées pédagogiques qu'il développe, comme quoi la question de l'éducation est vraiment toujours au cœur des préoccupations bonaldiennes. Et lorsqu'il accepte de prendre son siège qui lui a été offert en 1808, en 1810, donc après 2 ans de procrastination, mais qui n'en sont pas vraiment, peut-on considérer qu'il entre au service de l'empereur directement ? Ça, c'est une question qui a été parfois vue de façon un petit peu tranchée. Il s'agit, oui, on l'a taxé d'opportunisme. Oui, enfin bon, c'est vrai que à sa charge ou à sa décharge, le personnel politique impérial était très souvent recyclé du personnel révolutionnaire ou d'ancien régime, et a fourni une bonne partie du personnel de la Restauration qui elle-même a infusé celui de la monarchie de Juillet. La vision, par contre, d'un Bonald de girouette qui serait rallié à l'Empire, sentant que le régime allait perdurer, ne me semble pas la plus pertinente. Il était déjà assez âgé pour faire preuve d'une certaine lucidité et d'un certain réalisme politique. Je pense tout simplement
que sur les instances de son ami Fontane, répétées et persuasives, il pensait pouvoir œuvrer à une véritable restauration au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire non pas une simple restauration dynastique, mais une régénération sur les cendres d'une révolution une fois pour toutes éloignée, une page qu'on pouvait tourner et désormais envisager, quelle que soit la famille ou la personne à la tête tenant les rênes du gouvernement de la France, envisager un processus de réédification. D'ailleurs, la métaphore architecturale est omniprésente sous sa plume, qu'il s'agisse de bâtir, de détruire, de remonter ou de tomber en ruine. Il y a quelque chose de très minéral et de très architectural dans l'écriture bonaldienne. Quel bilan fait alors Louis de Bonald par rapport à la politique et à la carrière de Napoléon Bonaparte ? Alors, il faut nuancer plusieurs types de bilans. Les bilans qu'il trace sur le vif, alors plutôt dans sa correspondance ou dans des manuscrits qu'il ne publie pas, qui semblent allier une certaine prudence avec, je dirais pas un enthousiasme, mais un début de confiance qui se dessine vers la fin de l'Empire. Il faut séparer donc ceux-là des bilans qu'il va dresser, parce que ça c'est plus intéressant, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Et la véritable pensée de Bonald sur Bonaparte, ce qu'il représente aussi bien humainement comme figure que politiquement comme symbole et historiquement comme épisode et comme période, c'est un tableau qui s'affine au fil des années et dont on a in fine les derniers traits brossés vraiment de façon conclusive en quelque sorte que sous la monarchie de Juillet, après avoir adossé ce bilan à celui du règne des Bourbons, de Louis-Philippe et bien entendu de tout ce qui a précédé. Dans votre deuxième partie, un de vos chapitres, vous le titrez ainsi, Bonald au temps de la Restauration, un homme très politique. Cette notion du politique, est-ce que Bonald évolue un petit peu dans sa carrière, change de pensée ou décide d'être plus franc en politique? Pourquoi ce très politique? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai voulu en finir avec une autre image d'Épinal concernant Bonald, quelqu'un qui aurait été un théoricien plus ou moins écouté, plus ou moins oublié, donc ça c'est ce que j'ai déjà tenté de balayer, mais qui n'aurait été en même temps qu'un homme de la Restauration et sous la Restauration un homme, alors pas de second plan, mais un homme un peu isolé, une espèce de tête pensante, un petit peu dans les nuages, plus âgé que ses frères d'armes ultra qui eux auraient eu une vision beaucoup plus moderne de la politique. Or, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes travaux que Bonald était plus que jamais un homme de réseau, était un homme écouté, était un homme d'influence, même un homme de coulisses. Et ce n'est pas parce qu'il a eu une carrière politique moins fulgurante ou moins rapide que certains de ses contemporains comme Chateaubriand. Par exemple, il a été pair de France qu'en 1823 et assiégé à la Pairie qu'en 1824, mais il était pair de France quand même, tout le monde ne l'était pas. On dit parfois qu'il est resté trop longtemps député, mais il a en même temps été réélu député sans discontinuer, etc., etc. Donc c'est l'idée à la fois que Bonald n'était pas qu'un individu isolé au sein d'une nébuleuse isolé, mais qu'il a eu vraiment une existence politique dont on a sous-estimé l'épaisseur et la profondeur. On la résume à quelques épisodes marquants, la loi qui porte son nom abolissant le divorce, certains combats des ultra-royalistes auxquels il a prêté sa voix et son soutien, pas forcément d'ailleurs des plus séduisants si on les isole de leur contexte, mais une espèce de statut du commandeur qui de temps en temps se lèverait à l'hémicycle
articles pour parler, débiter un long discours plein de métaphysique et d'étymologie et de remarques grammaticales un petit peu soporifiques qu'on applaudirait courtoisement avant de passer à autre chose. Et ça, c'est l'image qui a été colportée par pas mal de travaux consacrés à Bonald et que j'ai voulu un petit peu démonter, et pas uniquement sur la base d'intuition, mais encore une fois de sources concrètes et scientifiquement irréfutables. Oui, et puis c'est ce que vous expliquez aussi dans les rapports des discours à l'Assemblée, en fonction du journal. Voilà, le journaliste ne met pas en valeur les mêmes discours. Bonald est parfois censuré, et c'est là-dessus qu'il faut faire un peu la lumière quand on étudie ses discours et ses prises de parole. Oui, ce qui est le cas des autres hommes politiques de sa génération, et là, je ne dis pas ça pour relativiser, mais au contraire, pour l'intégrer dans cette modernité politique qui naît sous la Restauration. Il faut ça, je pense que c'est pas la peine de le répéter. La Restauration et la monarchie de Juillet, mais surtout la Restauration, sont la matrice de la modernité politique, parlementaire, de la naissance, peut-être pas d'une opinion publique, mais d'un débat public, la renaissance d'une liberté de la presse, etc., etc. Et donc Bonald à la fois traite cette modernité comme telle, ce qui est moderne, et d'autre part la modernité le traite comme les autres modernes, si j'ose dire. Donc il participe à plein de ce mouvement de renouveau du politique et de la politique au féminin, c'est-à-dire de ces nouvelles pratiques qu'il peut juger parfois comme étant à l'encontre de ses vues. Bonald n'est pas un partisan du parlementarisme. Cette importation d'origine anglaise qu'il désavoue complètement, mais il va l'utiliser, il va la faire sienne pour précisément se mettre dans cette position de ministre, pour reprendre la tripartition que j'ai énoncée un petit peu plus haut, et donc jouer. Peser de tout son poids jusqu'à la fin, hein, alors que beaucoup de ses amis ou de ses compagnons d'armes de la première heure ont baissé les bras ou ont épousé d'autres lignes politiques, lui va continuer son combat jusqu'à la fin du régime, quitte à se retrouver finalement le seul soutien du ministre Villèle. Est-ce que Louis de Bonald voit dans la Restauration un peu l'avènement de la paix, le début d'une nouvelle ère ? Est-ce qu'il déchante très vite ? Alors, Bonald se félicite de l'avènement des Bourbons, puisqu'il les avait appelés de ses voeux depuis tant d'années. Le petit problème, si j'ose dire, le hic, c'est très vite le projet de constitution sénatoriale qui va devenir la charte. Plus encore que la notion de chambre, parce que après tout, sous l'Ancien Régime, il y avait des parlements, il y avait des cours souveraines, donc ça pourrait rentrer dans une logique francisée de ces coutumes anglaises qu'on pourrait se réapproprier, etc. C'est, par contre, l'idée de cette constitution écrite, même si elle reste ambivalente, mais dont on fait un véritable dogme politique, rejoue selon lui la faute révolutionnaire. Et il ne cessera de dire des formules, ça c'est en privé bien entendu, de type le ver est dans le fruit, le mal est dans la charte, espérons qu'elle s'éloignera comme un mauvais rêve, et donc notamment dans ses lettres à Mestre. Donc là aussi, nouveau paradoxe, Bonald dans ses discours va utiliser la lettre de la charte pour s'en montrer le meilleur interprète et le meilleur exégète, tout en considérant très vite qu'elle porte en elle les germes de décomposition qui pourraient emporter le régime. Alors, reste la deuxième possibilité, c'est que lorsque Louis XVIII monte sur le trône, il a un frère, le comte d'Artois, qui est appelé à lui succéder et qui intrigue au pavillon de Marsan avec tous les ultras. Donc on peut penser que ce roi va être un roi ultra, et que cette parenthèse de la charte pourra être refermée. Donc à un premier pessimisme sceptique sous Louis XVIII, c'est la vision sous Charles X qui va confirmer certaines de ses craintes initiales.
Quand on pense à ce groupe conservateur légitimiste, on pense bien entendu à Louis de Bonald, mais quelles sont les autres grandes figures qui l'entourent et qui vont créer un petit peu ce mouvement légitimiste conservateur qui va durer jusqu'au moins le premier conflit mondial? Alors, bon, faire de Bonald le père du légitimisme, disons, c'est reprendre la tradition de René Raymond et de ses droites en France. Bon, sachant que le terme de légitimisme, même si la légitimité est déjà un désignant qui renvoie à la fidélité à la branche aînée des Bourbons, n'est utilisé comme catégorie politique qu'à partir de 1830. Donc, pas trop de relecture rétrospective peut-être au niveau des termes. Par contre, ce qui est certain, c'est que Bonald, de par sa théorie, crée un courant de pensée qui ne va pas avoir qu'une postérité légitimiste et traditionnaliste, mais qui va en être quand même un des piliers les plus riches et les plus complexes. Quant aux hommes qui l'entourent, eh bien, il y a deux personnes avec qui qui sont ses cadets, avec qui il s'entend et dont il est le mentor, presque. Ce sont Chateaubriand et Lamennais, hein, qui sont deux personnalités avec lesquelles ensuite il se brouille pour des raisons diverses. Et puis, sur le plan du monde politique et parlementaire en particulier, donc j'ai cité Villèle, le ministre du plus long cabinet de la Restauration et même du 19e siècle. Il y a également tout un personnel comme Perronnet, Corbière, etc., Labourdonnais, enfin. Il cultive des relations qui sont à la fois politiques et amicales, ça c'est important aussi de le voir, avec toute cette droite de la Restauration, qui pour une partie survit au régime, pour une autre partie va choisir l'exil intérieur avec au lendemain des Trois Glorieuses, par refus comme Bonald et Chateaubriand de prêter serment à Louis-Philippe à la suite des journées de 1830. Un de vos chapitres traite de Bonald et la modernité sociale et économique. Évidemment, il faut bien le resituer dans son temps. Quelle est son attitude face à cette modernité, à la modernité et notamment la modernité industrielle? Alors là encore, il s'agissait de combler peut-être une lacune historiographique. La première et une lacune interprétative. La lacune interprétative, c'est que Bonald a forcément une pensée d'arrière-garde, donc agrarienne, fondée sur une France rurale, dont l'unité insécable est la commune, une France du clocher, quoi, et puis qui peut mener à tous les quiproquos prospectifs que certains chercheurs n'ont pas hésité à avancer. Par exemple, Bonald qui aurait la paternité d'un traditionnalisme autoritaire type Vichy, etc. Donc chose qui pour moi est un contresens absolu. Donc cette première discordance que je tenais à déconstruire, c'est celle d'un Bonald complètement sourd à la modernité économique, industrielle et sociale de l'âge industriel, et ce dès ses prémices, non pas sous la monarchie de Juillet mais sous la Restauration, avec des articles datant de la fin des années 20. Ce qui également se traduit par une préoccupation toute particulière pour des questions sociales, et notamment la pauvreté, ce qu'on va bientôt appeler le paupérisme. Et en cela, il est un des instigateurs du catholicisme social, dont son fils Maurice fut un des fers de lance. Et puis, en termes davantage historiographiques, mais tout ça est intriqué, c'était également l'occasion de rappeler que
silence de Bonald, dont on parle parfois, alors qu'on fait remonter à 1830, parfois à 1826, décès de sa femme, est parfaitement relatif, et que Bonald continue très activement à se préoccuper de l'actualité intérieure, extérieure et économique et sociale dont il est contemporain, notamment sous la monarchie de Juillet, à laquelle j'ai voulu consacrer quelques chapitres, puisque cette période est généralement ramenée à quelques lignes conclusives pour dire que bon, il se retire chez lui, il ne dit plus rien, il est dans l'amertume de tous ces morceaux balzaciens. Et non, Bonald écrit. Le problème, c'est que beaucoup de ses articles de presse, par exemple, du moment, n'ont pas été retenus dans ses bibliographies. C'est pour ça que j'ai exhumé pas mal de textes tardifs qui jusque-là n'avaient pas été pris en considération. Oui, un dernier mot sur la monarchie de Juillet que Bonald n'estime pas du tout. Alors c'est assez, oui, bien entendu, comme Chateaubriand, comme là, on peut effectivement parler de légitimisme stricto sensu. D'ailleurs, il écrit dans des journaux légitimistes comme La France, qui font partie du légitimisme conservateur et pas du légitimisme libéral tel qu'il se dessine petit à petit sous la monarchie de Juillet. C'est une quasi-légitimité, comme dirait Chateaubriand. C'est un règne du juste milieu, du pas grand-chose, mais en même temps, ce qu'on trouve chez Bonald, et notamment de sa correspondance avec le comte de Selft, c'est une observation très attentive des changements de ministère, de l'actualité politique intérieure, etc., etc. Et même si Louis-Philippe est considéré par lui comme un usurpateur, mais c'est là où la question de la légitimité s'avère plus complexe qu'on ne le pense chez Bonald, il a quand même cette phrase à un moment où il dit « Je préfère quand même avoir la tête de la France un Louis-Philippe qu'un Thiers ou un Guizot ». Donc parfois des absolutions un petit peu inattendues de la part de cet esprit réputé radical dans ses choix politiques et notamment dans ses refus, puisque un contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est habitué à penser contre, à râler, à ronchonner. Eh bien parfois des moments d'absolution qui nous ramènent à la question que vous posiez tout à l'heure sur les bilans de l'héritage napoléonien et bonapartiste. Et on aurait pu évoquer encore son rôle dans la presse, également sa fonction de pair de France, mais malheureusement notre émission s'achève ici. Merci Flavien Bertrand de Balanda d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Louis de Bonald, philosophe et homme politique 1754-1840, paru aux éditions CNRS, et qui est le fruit de votre thèse de doctorat, qui permet à la fois de comprendre Louis de Bonald comme homme politique, et vous insistez sur cette vie politique, mais également aussi sur sa pensée. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.